qui a écrit ça? Écrit quoi? Un post-it sur frigo. Non, c'est pas moi. Maman, je sors. Il est chiant. Quelle heure il est là? 10h30. J'étais sûr que ça allait être encore un peu foireux. Viens, on s'en va. Bah attends, je crois qu'il arrive. Hey, salut les gars. Tu t'es perdu en route ou quoi? Alors c'est quoi ce plan? Bah je sais pas, c'est des affectés ici, non? J'espère que t'es pas foutu de nous. Parce que moi j'ai fait l'effort de me lever ce matin. Il y avait un post-it sur mon frigo avec mon nom et cette adresse. Je suis venu pour ça, après j'avais dit. Mais bien sûr que si tu nous l'as dit, tu m'as envoyé un texto hier. Regarde. Effectivement, tu m'as envoyé hier. Bon, on n'est pas obligé d'y aller non plus. Ok, allons-y, on verra bien. J'espère que tu t'es pas planté d'adresse au moment. J'aimerais pouvoir être rassuré, mais en fait, je sais même pas où on est. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un. C'est ça? Là, derrière la vitre. J'ai vu un truc bouger. Dis-le tout de suite si tu veux pas y aller. Hein. Non, je vois rien. Je vais sûrement rêver. La porte est ouverte. Bah tant mieux. Comme ça, on s'attarde pas ici. C'est pas plus mal. Putain, Emily, t'as pas la porte comme ça là! Mais c'est pas moi! C'était quelqu'un en camembert hier pour la tête de Sina. Et comment tu l'as trouvé cet endroit? J'en sais rien. On s'en fout. Putain, c'est génial ici, c'est géant. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'autre. Cet endroit m'est familier, je suis déjà venu ici. Tous les ateliers se ressemblent, hein. C'est une photo, tiens, regarde. C'est celle de mon petit frère? Si tu vas faire tomber. Je savais pas que je l'avais en double. C'est génial. Y'a quelqu'un? Benjamin? Lily? C'est vous? Monsieur? Émilie? Ouais? Quelle heure il est? 11h. Pourquoi? Pour rien. Simon! Simon! Tu vois quelque chose?
pas planté d'adresse au moins. J'aimerais pouvoir te rassurer, mais je ne sais même pas. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un. D'accord.